passe des plastiques, la vie de partout. Ça c'est sincère. Voilà, c'est ça. Je passe le prix, je passe des plastiques. Maintenant, si même la couche là c'est faite, clairement comme ça, avec un bon choc, même s'il la compte, il n'y a pas faux. Ça c'est jamais faux. Je n'ai jamais donné ça. Il faut savoir que vous avez 3 fautes sur un match. 3 fautes sur un match, c'est vite arrivé, si on donne des fautes, franchement, on ne fout jamais. C'est celui qui fait le plus de fautes. C'est jamais que le coup soit le plus. Le but c'est de mettre de la vitesse. Et tu mets de la vitesse pour le coup qui est droit, c'est juste arrêté. En fait, c'est comme un joueur de tennis, si tu crois qu'il ne s'arrête pas là, il ne s'arrêtera jamais là, il va finir le mouvement. Ici, c'est la même chose. Il ne va pas vraiment bien, il finit le mouvement. Je ne peux pas pénaliser quelqu'un qui lui fait rapide, donc faute. Si maintenant il exagère et qu'il vraiment lève, qu'il est fort et qu'il lève dans vite, là on arrête. S'il donne un double choc, par exemple comme ça, et que la balle revient, ça c'est fait. Je ne peux pas faire deux chocs. Le deuxième, c'est le serranier. Mais le premier, qui est dans le mouvement, ben, soit on l'a fait plutôt. Les poulets de l'arrière, il n'y a pas de poulets de l'arrière. Les gens voilà. Qui se sont pas fous. C'est pas fou, sauf si pas fou. Tu ne peux pas donner. Non, mais le joueur qui est vraiment en réception, tu vois, il est sur la poulie, il est en réception. Mais il n'a pas de droit. Je peux te faire un choc, tu verras bien que la balle, c'est bien mieux comme premier. C'est limite que ça peut exagérer, mais c'est... Voilà. Ça, c'est vraiment la limite. Parce que là, j'essaye vraiment de mettre bien plus fort. C'est... Voilà, c'est la vie libre. C'est vraiment... Mais vous, les vieilles, pour que je fais ça, c'est jamais fou. Parce que j'en ai vu ici, on réclamait des points. On réclamait un point comme ça. On leur a poussé, on réclamait un point comme ça. Voilà, ça, on réclamait un point. Il n'y a vraiment rien. C'est lui qui y va et qui tire droit. Je vais te le prouver, regarde. Je reviens aussi. Hein. Il faut être sûr, c'est ça qu'il faut vraiment être sûr que c'est le choc qui a fait perdre la balle. Si vous n'êtes pas sûr à 100% que le choc a fait perdre la balle, il y a une hésitation, on les oublie. On les oublie parce qu'on ne peut pas arriver à 3 fautes des pénalties. Parce qu'on essaie d'éviter que non, on arrive à pénalty, deuxième pénalty, perte de manche, et c'est mort, et ça a été le temps de jouer. Et surtout, si on peut faire passer à la TV tout ça, même à la fin, on le voit la faute. On ne voit pas beaucoup. Donc si les réalisateurs ne comprennent pas, pas intéressant. Même sur Cosu, je regarde, j'ai vu des matchs où on prend la balle, moi, même moi qui regarde tout, j'ai rien compris. J'imagine qu'un jeu qui ne connaît pas, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Si ça fait une différence, c'est l'intérêt, c'est ça qui est. Maintenant, s'il voit clair, c'est clair, on donne la balle, c'est clair. Il faut éviter de donner des choses qui ne sont pas évidentes. Dans tous les cas, comme vous le savez, maintenant c'était sûr, tout simplement bien, Mazar, pourquoi tu vas le faire pour ça, il fait comme ça. Et là, alors, bien, évidemment, la donne, c'est deux coups après, ne sert à rien. Ne sert à rien, là, je suis bien d'accord. Le choc, peut-être que la balle rentre. Si le but, c'est ça. Non, 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 ça, c'est je dis non. D'abord, le temps, rien de plus, mais tu l'annules jamais. D'accord, donc, je veux dire, on part à la fin, c'est nécessaire. Si jamais il l'a fait, en regardant le PC, le provoquant, s'il l'a fait pour lui, c'est pour toi qu'il a fait. Ça pour lui et qu'il est resté dans son coin, non, il n'y a rien qui me dérange. Il n'y a rien qui me dérange parce que c'est pas vraiment provoqué. Il faut vraiment que ce soit. On est dans l'explication. Oui, voilà, il faut vraiment que ça c'est important. Il faut vraiment que ce soit provoquer l'adversaire pour donner un avertissement. L'arbitre, il intervient le minimum. Voilà, si tu vois un joueur de tennis, tu vois qu'il se met au coin,
Sinon on va les perdre. On les perd déjà, mais je veux dire, on ne les aura jamais. Celui
quart de chevaux contre Poirier, ça me fatigue. Tu vois, t'es pas intéressé. Et si jamais on commence à jouer sur des détails, le spectateur neutre qui n'a jamais suivi, il va jamais s'intéresser. Et quand même, avec Kozou ou des choses comme ça, ils aimeraient bien attirer un peu le spectateur neutre pour attirer. Oui. Voilà, le but, c'est d'attirer un peu. Et franchement, suivre un match, comme il est arbitré ici, souvent, avec les petites choses, les petites choses qu'on demande, je vais faire passer vers rien. Il faut que ce soit clair. D'abord, on ne veut pas arrêter le jeu, parce que si un jour on veut que ce soit utilisé en live et tout ça, il faut que le jeu s'arrête le moins possible. Et ça, c'est favorise le jeu. Le jeu doit s'arrêter, voilà, c'est ça. Le jeu doit s'arrêter le moins possible, et les joueurs doivent, les spectateurs nous doivent comprendre ce qui se passe. Et pour qu'ils comprennent ce qui se passe, il faut que la faute soit claire et évidente. Même au football, les arbitres qui commencent à soulever les petites fautes et tout ça, parfois les gens ils se lâchent, ils sifflent et tout ça, il n'y a rien. Ça arrête trop le match. Voilà, maintenant en Angleterre c'est clair, les fautes sont claires, c'est beaucoup plus. Et c'est la même chose, je suis trop vieux devant lui. Une petite question, un sneaker, il a la balle. Il lâche la main, il fait son sneaker. Et maintenant il court, il essaie de préciser que maintenant il faut descendre comme ça. Mais si le changement de main, voilà, ça c'est faux ou pas? Ça c'est une seconde. Ça il faut une seconde. Voilà. Ça il faut une seconde. C'est pour la distraction. Encore une fois, c'est toujours pour la distraction. Donc il faut éviter que quelqu'un puisse faire ça et jeter. Parce que quand tu fais ça, tu attires la tête. C'est pas normal. Voilà. Maintenant, il ne faut pas commencer à. Ça, j'insiste là-dessus aussi. Il ne faut pas commencer à regarder si sa mère vient suivre ou non. Fait ça. Non mais il y a des joueurs, clairement, on le voit très bien, tu vois ce que je veux dire, où il lâche la main et ça fige. Écoute, mais s'il lâche sa main comme ça, je vais dire comme ça, avec toujours dans la direction de mettre sa main, le but de mettre sa main, ça va. Si maintenant t'as des sneakers qui commencent à faire ça, pour le faire ça, non, ça il faut quand même pas que ça se lève, ça descend, voilà. Comme ça c'est du bon, mais ça c'est, on dirait jamais rien, il y a même pas vu pas, donc elle a pas tenu plus long, il faut commencer à se dégérer. Il faut encore une fois éviter de donner une faute pour quelque chose qui n'a pas influencé le jeu. On essaye vraiment de faire, de donner des fautes, à ce qui influence clairement le jeu. Éviter donc un arbitre. Moi j'aime bien les arbitres qui les jouent au maximum et qui bloquent les choses claires. De A, je ne suis pas dans le problème des trois fautes. Je vous répète toujours ça. Ici j'ai eu des plaintes où normalement tu l'arbitre donne une faute, deux fautes, trois fautes, quatre fautes, cinq fautes, jamais de pénalty. Donc ça dans le règlement il est écrit. Troisième faute, c'est pénalty. Vous êtes obligé en tant qu'arbitre, quand vous avez donné trois fautes sur tout le match, de donner un pénalty sur tout le match. Donc imagine qu'en 5 mois, je joue un match à la 5ème manche, si vous commencez à donner des fautes offensives, donc un poussé un peu fort, pas faute, c'est une faute. Un passage à un rat-droit un peu fort, deux fautes, c'est-à-dire que pendant tout le match, le gars ne peut plus donner de fautes, il y a un pénalty contre lui. Ça ne va pas. Donc il faut donner que des fautes. La troisième faute, c'est une sanction. Pour quelqu'un qui est vraiment qui exagère. Au départ, les pénalités étaient données pour les joueurs qui exagéraient. Ces sanctions, il y avait des joueurs qui vraiment faisaient plein de fautes, qui passaient boum, ils donnaient un gros coup. Mais c'est pour éviter qu'ils le fassent à chaque fois. C'est ça le but. Pas pour le gars qui essaye de faire son passage vite, et malgré qu'il essaye de faire vite, il finit son swing, il finit son mouvement, on lui donne une faute. Non, c'est pas possible. C'est comme je dis, un golfeur, il fait son swing, si tu veux qu'il arrête son swing là, il va dire comment tu veux jouer au golf. Essaye d'arrêter ton cul, il peut le faire, hein. Il arrivera à le faire, hein, aussi. Hein. Il ira trois fois plus loin, quoi, il fait son swing. Ici, c'est la même chose, on peut se faire un poussé sans toucher le bras, hein. Voilà, et ça va trois fois moins vite. Si tu veux vraiment te lâcher et ne pas avoir peur d'être là, et tu dois le finir, donc je t'ai obligé d'y aller, hein. Voilà. Et là, j'ai rien fait, je sais pas, plus sur une faute, j'ai touché le bras, et c'est pas une faute. Non, elle n'a pas fait rien. Il n'y a rien du tout. Faut que la table se lève, ou alors faire un double, ça je suis d'accord que ça tu peux donner. L'autre l'arrête et l'autre fait ça, et elle le tient. Ah non, ça c'est surtout, ça c'est après le champ. Si elle est goal, elle est goal, c'est bon. Si elle n'est pas goal, t'arrêtes le jeu, c'est tout. Et ça c'est tout une faute. Donc on vient. Deux, trois comme ça, c'est magique. Si la balle est dans le goal, c'est pas grave. Il n'y a pas de soucis. Il y avait des joueurs qui prenaient la balle, comme ça, il est derrière pour eux. Encore une fois, je dis, regarde le garçon, il le provoque. Ça, tu peux lui dire, écoute, pas de provocation. Fais ton show pour toi, c'est bien, il fait le show, il fait le spectacle.
et pas provoquer l'autre pour être au film. Après le troisième, on peut crier, mais c'est pas dans la provocation. Voilà, exactement. Mais bien sûr, t'as déjà vu au football, les côtes, ils jouent au football. Mais non, mais il y en a plein. Ah, on m'interdit de crier moi dans des compétitions. Mais écoute, mais je suis pas d'accord. Crier, crier. Parce que t'es à 92 décibels. Dis pas haut, dis pas haut. On m'interdit de crier dans des compétitions. Allez, bonjour. Mais ça c'est à chaque fois. Les Villeurbanne qui sont encore plus fort que moi. On a la preuve il n'y a pas longtemps. C'est bien que la méthode était interdite. Mais j'ai crié le dernier. Je me dis que quand je regarde le match, moi j'aime bien. Je regarde un match de tennis et je vois les deux joueurs qui se passent pendant, mais qui se passent et qui se regardent et qui se donnent envie. Après le match, ça doit quand même faire plaisir. C'est-à-dire que le joueur qui a provoqué et tout ça, moi je trouve que Tarkinson, par exemple, en Amérique, c'est le roi de la provoque, il fait des trucs dans sa barre, il me regarde et tout ça. Mais après le match, les matchs de gars, hyper fair play, bien joué, c'est terminé. Le match est fini, c'est terminé. Il fait de la boxe n'importe quoi. Vous tapez sur la tronche, mais après le match, c'est fini, l'autre est KO. À la fin du match, il y a le respect. Maintenant, il pose des bombes. Quand le match est fini, c'est terminé. Non, mais il y a une question que je veux poser. Après la troisième faute, en fait, il y a pénalty. À la troisième faute, il y a pénalty. Et après, excusez-moi, je peux poser ma question. Et après, le mec refait une faute, le joueur. C'est un nouveau pénalty. C'est même pas reset. Il faut regarder exactement comment ça va, mais c'est perte de. C'est après c'est pénalty, puis perte de manche, puis perte de match, c'est dans les. Il faut regarder le. Ah d'accord. Mais ça c'était inscrit, oui. C'est-à-dire que ça, on peut pas y arriver. Parce que faut bien pas. Le règlement il vient des États-Unis à la base, qui était là-bas. C'est rare quand il y a sur un tournoi, il y a plein de joueurs, c'est rare que je vois 3-4 pénalty. J'ai jamais vu une perte de manche. Il faut pas y arriver. Ici, si jamais on jamais vous donnez des fous, on les donne ici, on a des forfaits tous les matchs, on a des Il faut bien différencier la faute, le gêne, la distraction, le reset. Il faut bien différencier. Mais la faute, c'est la gêne. La faute, le gêne, c'est pas. Oui, pardon, le gêne, c'est son défaut. La gêne, la distraction et le reset. Oui, la gêne différencie. La distraction, c'est grave aussi. Et à un moment, il est dans son truc. Surtout ce que je veux vraiment, on doit laisser jouer. Tout le monde s'amusera plus. Et on aura moins peur de faire. J'ai vu des gens qui n'osent pas faire un passage au moins parce qu'ils ont peur qu'on leur comprenne si jamais. Ça peut pas arriver. On casse le jeu, on casse vraiment, on casse. Vincent Mossé, par exemple, il m'a dit, mais je peux pousser comme ça, il m'a dit, Vincent, il a fait ça. J'ai dit, oui, plus ballon, c'est mieux alors. Il est content. C'est normal qu'il est content, il ne peut pas pousser comme ça. Alors lui, il dit, mais non, moi, dans le ballon, je dois pousser comme ça, moi. Non, tu peux mettre de la vitesse quand même, le but c'est quand même de t'amuser. Maintenant quand tu tires, t'arrives pour être fort, quand tu tires, fou, mais t'as du coup, le tirer, ça va être. Mais en poussée, les automates, ils font beaucoup. Les automates, voilà, c'est jamais, faut jamais donner. Et en tiré en tiré, c'est le même principe, hein. Mais bon, ici, tu reviens là, oui. Il y a pas faute. Tu reviens là-bas, ah, mais c'est chose, non, mais ici, viens ici. Non, mais s'il l'a fait là et là. Oui. Si tu le fais en bas pour la tirer, tu remontes après. La poussée, le mouvement de la frappe, il va dans ce sens-là. La tirer, le mouvement de la frappe, il va dans ce sens-là. Oui, mais s'il en fait un là. S'il en fait un là, après, oui, c'est le fameux. Celui-là, c'est pas grave. Voilà, ça c'est rien. Ça c'est pas grave. Maintenant, encore une fois, il faut pas faire un tri. Je dis toujours, il faut pas commencer à faire. Ça, si jamais elle est pas cool. Et qu'elle lui revient, c'est fou. Si c'est pas cool, et qu'elle lui revient. Je vais me remettre à tirer comme un ouf. Sur la télé, c'est bien pris. Je comprends le jeu. Il y a le plus, c'est le même. Je te dis pas comment tu fais. Voilà, je vais te montrer le tirer. Si jamais tu fais le tirer en bouche, par exemple, je suis obligé de. Si je veux la brosser ici comme ça, je suis obligé de revenir. Je reviens. C'est la même chose en tirer. Si je veux maintenant déborder, peut-être pas sur votre ligne parce qu'il y a un boulevard ici, mais sur les autres tables, il n'y a pas de boulevard, si je veux. Si je veux revenir, je reviens comme ça pour la brosser. Donc je peux le faire. Tu fais pas le double. Mais c'est rare quand on fait le double. Parce que le double-là, ça c'est rare. Même le petit poussé, par exemple celui-là, si je sais bien qu'on le donne souvent au foot, c'est la chose qui va vite. Voilà, ça, c'est pas faux. Ça, il faut absolument arrêter. Même qu'il arrête, ça, c'est pas faux. Ok, touche le bon, on s'en fout. On s'en fout.
balle qu'avant. Avant le tir. Tu peux faire ça, par exemple. Non. Ça, ça va. Le choc avant la frappe. C'est ce qu'il vient de faire, mais t'as même pas vu, c'est trop rapide. Ah, avant la frappe, là, c'est avant, bah, avant le tir. Ah oui, on l'a. C'est avant la frappe. Là, c'est avant la frappe. J'ai la balle comme ça, j'ai fait ça. Il n'y a rien du tout. Merci, monsieur. J'ai fait 10 ans qu'il attend pour voir la frappe. En fait, c'est un choc. T'as la balle, t'as le droit de faire. C'est comme moi, par exemple. C'est pas considéré comme une distraction, là, ce que j'ai fait. Non, 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 c'est plutôt pour, regarde, c'est ça. Voilà. C'est pas une faute, je vais le faire différemment. Ici, déjà, le coup, je le donne avant la fin, je ne ferais pas faire perdre la balle. Donc, elle est chez moi, et vous ne faites ma part, je vous fais. C'est jamais faute. C'est une nouvelle, en fait. Donc, t'as filmé, là, le Nordine. Voilà, les, pour Momo, par exemple. C'est ah, elle est dure, hein. Ouais. Momo, il fait comme ça, mais... Écoutez les gars, quand vous envoyez mon mot, il fait. Il va faire l'air, donc ça ne sert à rien. Et si le choc est exagéré, on peut que... Il faut pas que le baby se lève ou que la table se déplace. Excessif, pourquoi pas. Donc celui qui vient de montrer pour l'air, ce serait pas vraiment le choc exagéré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça? C'est pas exagéré. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'exagérer? Il a la balle dans sa possession, il a le droit. Maintenant, il ne pourrait pas commencer à faire qu'est-ce qu'il commence à faire. Donc, il dira, écoute, ça, c'est distrait. Le gars, à un moment donné, il est distrait. Et à un moment donné, c'est la distraction. Oui, mais là, c'est la même chose que celui qui a fait l'hélicoptère. Voilà, ça, c'est comme ça, il fait beaucoup de vent. Il n'y a jamais faute, il tourne, il tourne. Non, mais ça sert à rien, parce qu'on sait qu'il va pousser, là. Ah ouais, regarde. Allez, retour. Ah, bien sûr. Ah, mais voilà, en gros, c'est ça qu'on voulait parler. Merci beaucoup. Merci. Vraiment tranquille pour les suites.